lors d'une crise humanitaire, l'accès à de la nourriture, de l'eau, un abri et des médicaments sont les besoins les plus vitaux des populations affectées. Pourtant, répondre à ces besoins pendant une crise est loin d'être simple. Malgré les défis de l'urgence, les humanitaires répondent toujours présents pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Face à la difficulté de tels environnements, la coordination est essentielle. Le cluster logistique est un groupe d'organisations qui travaillent main dans la main pour améliorer les réponses logistiques d'urgence. Le Programme alimentaire mondial a été désigné comme agence responsable de ce cluster en raison de son expertise en logistique humanitaire. La logistique est à la base de toute opération. C'est le point de départ de chaque activité, de la plus simple à la plus complexe. Pour les humanitaires, le défi logistique consiste à déplacer des produits de première nécessité d'un point A à un point B. Prenons un exemple. Cette organisation humanitaire a pour objectif de distribuer des médicaments à ses familles. Ces produits doivent être transportés d'urgence. Mais les transporteurs ont fui la zone. Les véhicules restants ont été pris et il n'y a plus de carburant disponible. Les pluies et les glissements de terrain ont rendu la majeure partie des routes inaccessibles. Les frontières sont fermées en raison du conflit et les bateaux ne peuvent pas accéder au port. L'aide de cette organisation doit donc rester ici pour le moment. Mais où l'entreposer? Et comment informer rapidement les autres organisations de ces contraintes? Au cœur de la crise, le cluster logistique vient en aide aux organisations humanitaires en facilitant l'accès par route, mer, air et rivière de l'aide qu'elles veulent distribuer ou entreposer. Lorsque le carburant n'est plus disponible, nous facilitons sa distribution. Nous collectons et partageons l'information logistique vitale pour aider la communauté humanitaire à prendre les bonnes décisions. Enfin, nous mettons en place un mécanisme de coordination entre des centaines d'humanitaires. Car c'est en travaillant main dans la main que la communauté humanitaire est capable de répondre efficacement aux besoins créés par la crise. En mettant à disposition un soutien logistique par une coordination rapide et de l'information fiable, le cluster logistique fait en sorte que la communauté humanitaire ait la capacité de sauver des vies.